Bonjour. Comme vous savez, il y a des personnes qui m'ont suivi et j'ai terminé mon défi joie et rire au quotidien chaque jour pendant 14 jours avec des petites capsules de 1 minute. Et je tenais à vous faire un petit partage de mon expérience au cas où certaines personnes aimeraient se lancer dans cette belle aventure. Et c'est ça, justement, moi je me suis rendu compte au fil de ces 14 jours que déjà quand je me réveillais le matin et que je commençais à me dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis dans mon côté plus quotidien de chaque jour qui va me faire rire ou que je vais rire pendant cette situation-là, que ce soit aussi simple que faire son lit ou brocher des feuilles. Ou aller faire ses emplettes dans un centre d'achat. Et déjà, je me rendais compte que la journée prenait. Ça changeait l'énergie, en tout cas, si je peux dire, à l'intérieur de moi, où je voyais la journée beaucoup plus rigolote, beaucoup plus joyeuse. Ça fait que parfois, des fois, on se réveille le matin et on se dit, mon Dieu, j'ai fait tel rêve, je me sens un petit peu la vague à l'âme ou quelque chose du genre. Et là, c'est ça, le mental s'active dans ce temps-là. Et à partir du moment que, bon, je prenais comme l'intention surgissait en moi, bon, de dire, bon, OK, c'est bien beau, cette nuit-là est passée. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant, ici, maintenant? Et justement, je me rendais compte que c'était quasi automatique et l'énergie changeait et ma journée s'en trouvait tout à fait améliorée, donc aussi des 14 jours de partager aussi avec les gens ces petites capsules-là. Ça fait que la lumière était plus joyeuse. C'est comme un soleil qui surgit de l'intérieur, qui me faisait réaliser à quel point c'est puissant, juste. Le rire, c'est juste une question de perspective, si je peux dire. Bon, j'oriente mon regard vers quelque chose de joyeux. Et c'est vraiment ça que je peux dire que cette expérience-là m'a apporté. Parce que souvent, dans le mois de février, on se dit, ah, mon Dieu, l'hiver est long, on a eu un hiver froid, un hiver quand même assez intense. Et là, ça a passé vite. Ça fait que c'est ça. Fait que j'invite les gens, si les gens veulent à un moment donné me partager leurs commentaires ou qui ont envie de se lancer dans ce genre de défi-là avec moi. Des fois, on peut le reprendre quand on veut, parce que ce rire-là, c'est un outil formidable que l'on a à l'intérieur de soi. Ça fait que, et ça, je l'ai aussi réalisé avec les groupes que j'anime qui ont bien voulu se prêter à cette aventure-là. Ça nous a procuré beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça fait que c'est un petit peu cela, en gros, que je tenais à vous partager. Et c'est ça, je vous encourage aussi pour le mois de mars qui s'annonce bien à vous lancer, si ça vous tente, et à profiter aussi de cette belle semaine de relâche qui s'annonce vraiment d'une beauté, puis d'une douceur exceptionnelle. Ça fait que c'est vraiment joyeux de voir les enfants qui jouent, qui glissent sur les congères. Ça fait que tout ça, c'est des choses qui sont bien simples, mais en même temps, qui font toute la différence dans nos vies. Ça fait que je vous embrasse tout le monde et merci beaucoup. Au revoir.